Le jeudi 27 juin, nous étions au stade Bienfait à Arly pour une journée dédiée à la recherche d'emploi et au sport. Donc aujourd'hui, c'est un événement qui est co-organisé avec la mission locale du Saint-Quentinois et Just Sport and Fun, qui est mené par Ousmane Ba. Et c'est un événement qui est co-financé par le FSE dans le cadre du projet itinéraire des jeunes vers la réussite. Donc aujourd'hui, le but, c'est de faire rencontrer les entreprises locales avec des jeunes en repérage qui sont en recherche d'emploi ou d'alternance sur le territoire saint-quentinois. Et quoi de mieux que de faire ça avec, en cassant les codes, en faisant un recrutement sans CV, sans lettre de motivation, mais seulement en montrant les compétences douces à travers le sport. Donc aujourd'hui, on va être en présence de nombreux partenaires dans le milieu du sport pour faire des activités, donc que ce soit des jeux avec des lumières, que ce soit du tir à l'arc ou encore des jeux de motricité. On rencontre tous les jeunes et les jeunes ont l'opportunité de rencontrer les entreprises qui, elles, peuvent les découvrir grâce à ces activités et du coup déceler leurs futurs talents. C'est important pour les jeunes parce que finalement, on se rend compte avec le temps qu'il n'y a rien de mieux sur le territoire que de rencontrer directement les jeunes pour voir leur plein potentiel finalement. Et on casse les codes, comme je disais tout à l'heure, c'est que sans CV, sans lettre de motivation, on rencontre le jeune, on voit de quoi il est capable, sa vraie ténacité, son sens de l'adaptation, sa rigorosité. Vraiment, c'est très important finalement cette rencontre, vraiment cette proximité avec les entreprises locales, mais également les jeunes qui font de cette ville Saint-Quentin ce qu'elle va devenir finalement sur le domaine de l'emploi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on souhaite bon courage aux jeunes pour leur recherche d'emploi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage.